Bonjour, je m'appelle Omar Leva, je suis le président de l'association ASTIC, l'association d'appui à la science et de technique de l'information et de la communication. Donc aujourd'hui, nous avons organisé une journée de lancement préparatif par rapport à notre journée d'animation scientifique qui se tiendra le 18 avril à la FASTER. Donc, cette année, c'est la deuxième édition. Et notre objectif aujourd'hui, c'est d'outiller en fait, les élèves du moyen secondaire afin qu'ils soient préparés au niveau technique de l'information et de la communication pour pouvoir au moins avoir les compétences requises pour affronter les études supérieures. Donc les élèves vont subir plusieurs formations sur des logiciels qui leur permettront de s'auto-évaluer et qui leur permettront aussi de préparer les enseignements supérieurs. Donc ils seront aussi formés durant le mois qui viendra entre janvier, fin janvier et début février. Ils seront formés aussi sur PowerPoint. Et le thème général de cette édition, c'est le passage de l'analogique au numérique. Donc on sait que c'est un thème qui est d'actualité. Et ça permettra aux élèves notamment d'être bien informés. Et ils pourront, nous espérons, informer leur entourage par rapport à cette mutation qui s'inscrit aussi toujours dans ce phénomène de mutation. C'est-à-dire l'avènement du numérique dans notre monde, particulièrement au Sénégal. Donc c'était ça le sens de cette journée. Donc on a fait plusieurs présentations, c'est juste pour les donner aussi finalement un cahier de charge de ce qu'on attend d'eux et leur donner un calendrier des formations et échanger avec les élèves qui pourront, ces échanges permettront aussi nous aussi de notre côté, de voir ce qu'il faut améliorer et ce qu'il faut revoir. Donc pour le monsieur, ce moment, c'était ça l'objectif de cette journée. Parlant du passage de l'analogique au numérique, est-ce que ce n'est pas le moment d'interpeller encore l'État sur l'accès à l'Internet au niveau des élèves? Effectivement. Si tu veux un peu plus On peut commencer, hein? Oui. Allez, oui. Quel est l'intérêt de cette journée pour vous en tant qu'élève? Bonjour, je m'appelle Aline Badarameng, élève en première S2 à l'institution Notre-Dame. On nous a conviés à cette journée, le camarade et moi, et on a choisi des élèves pour les différentes rubriques en mathématiques, sciences physiques, sciences de la vie, et ceux qui présenteront le thème de cette année, à savoir le passage de l'analogie au numérique. Pour vous, les élèves de sciences, qu'est-ce que cela vous apporte? Dans le monde d'aujourd'hui, la science est présente partout, parce qu'il y a la technologie déjà, partout on ne peut plus vivre sans la technologie. Et on ne peut pas parler de technologie sans parler de science. Et c'est pour ça qu'il faut promouvoir la science, comme le fait ceux qui nous ont invités aujourd'hui en poussant les clubs scientifiques des différentes écoles. Merci. C'est vraiment très intéressant aussi. Et aussi, ça peut sensibiliser aussi les élèves à vraiment aimer la science. Parce que moi, qui vous parle, j'aime bien la science parce que je connais la science.
le monde sait que nous sommes la science. En plus, pour ce qui est de l'informatique, à l'heure actuelle, on peut constater que le monde, la technologie a fait tellement avancer le monde que tout se fait à travers l'informatique aussi, avec l'avancée de la technologie et tout ça. Je suis en seconde. C'est vraiment une honneur d'être là, ici, aujourd'hui, d'être présent, d'avoir fait le déplacement de Dieu Sadaka. C'est mon Dja. Dja. Oui. Lui, c'est moi, ici, de Dieu. Deuxième participation à l'édition. Oui. Première fois. Je n'ai pas de seconde. C'est bon.